Nous sommes. Enfin, je suis. Toujours encore. Tout seul. Oh. Et nous sommes le samedi 5 décembre de l'année 2020. Il y a... C'était en 1984, je parle comme un vieux con. C'est-à-dire il y a 36 ans. Que... Au matin du 4 décembre, j'étais parti à l'armée, Francfort, régiment train, et donc je me retrouvais. Le 5 décembre, j'étais à Fribourg, en hôpital psychiatrique. Tu sais, Marie-Lou, dans cette blanche clinique neuropsychiatrique, j'ai pas répété, hein, c'est les trucs que je me rappelle, parce que je suis fan de Gainsbourg, à force de patience et de... J'ai pu, et ensuite je sais plus, à force de patience et d'inaction, je crois, j'ai pu dresser un hanneton. Serge Gainsbourg. Et derrière, j'écoute Dutron sur mon téléphone. Je sais pas, 19,5, un truc comme ça. Avec des petites baffles que j'ai achetées cet après-midi. JC, Gypsy, un truc comme ça. Des trucs pas chers. Céleste. La vendeuse s'est marrée. Parce qu'elle m'avait avec la casquette. Et s'est dit, qu'est-ce que c'est que... Parce que j'avais une belle veste en daim. Donc j'étais sapé plus ou moins que la cime jusqu'à la casquette. Ah, c'est normal. Je suis un pilote. Cette maison, je l'ai appelée la maison de la résistance parce que j'ai su résister au harcèlement des huissiers. J'ai tout ici, tout. Là, c'est le nom de la rose. Là. J'ai eu avant un documentaire sur un écrit dans une bibliothèque à Paris où il y a un bouquin qui avait été écrit par le Tombert, donc qui a inventé l'imprimerie. Et tout est parti de là. Ouais. À savoir que moi, je ne sais pas lire. Je sais lire, bien entendu. Heureusement, je sais lire, mais je me fatigue en lisant. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur support numérique, par des didacticiels, sur YouTube, etc. Parce que j'essaie toujours de l'expliquer, lire, ça suppose d'imaginer une scène, et donc forcément la scène que vous imaginez n'est pas la même que moi je l'imagine. Et alors c'était avec négociance, c'était une superbe formation, Raoul Benoît, Charles Bailly, Stéphanie Smith, coach de star qui ne répond plus, Karim El-Kadioui, que j'ai retrouvé récemment, le nom de famille, parce que j'arrivais pas à m'en rappeler, Pierre Malin. Il y a vraiment... Oui, donc avec ce superbe groupe, well, but it doesn't matter if I don't remember what I just want to say.
Ah, Dutronc, j'aime les roses, Fanny. Ah, les vieilles peaux. Ah, les vieilles peaux, j'aime les vieilles peaux. Oui, voilà, c'était ça. Une psychiatre, le docteur Michel Loom, actuellement à la retraite, m'avait dit inventer, innover. Là, dans cette baraque, vu que j'ai un groupe électrogène en bas, je peux être totalement autonome en carburant. Et c'est ce qu'Étienne Chouard disait dans une vidéo de la mutinerie, l'autonomie en question. Qu'il fallait se préparer à devenir autonome parce que ça allait être Mad Max 2. Et là, quand on voit ce qui se passe en ce moment, surtout notre président Emmanuel Macron, monsieur le président. Vous savez, je suis une victime des médicaments, j'ai... Oh, souvent je disais grand estomac, j'ai tendance à... Oh, il y en a un méchant, la dernière fois, tu m'as dit... Quand tu parles, ça pue, quoi. Alors, monsieur le président, je vais vous tweeter après, c'est plus beau. Vous auriez pas un petit Vichy ceinture? Je vais me faire allumer. Stéphanie Smith, c'est ta faute. Faut jamais casser les douilles à un informaticien. Ah, Vichy ceinture, j'adore. That's what about the ruling class operated for. They try to divide the rest of the people so the rich can go off with the money to the bank. They spend billions of dollars lobbying to tell you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice, nobody seems to care. It doesn't matter the color of shirt you have on. Mine is a black one. Nike. These persons of modest being continue to elect these rich cocksuckers. They don't care about you. They don't give a fuck about you. At all. At all. Mairie Front. They called it the American Dream. It's because you have to be asleep to believe it. If you have selfish, arrogant and ignorant citizens, you're gonna have selfish, arrogant and ignorant leaders. It's as simple as that. Ah, j'ai oublié mon balai en bas. Cacapoum. Ah ! Alors, ce qu'il y avait de rigolo, c'est que quand j'étais gamin, comme je suis né le jour d'un canard, vers 18h, d'une mère poule, l'an 2000, je savais qu'il allait avoir 38 ans. En an 2000. Et alors je me voyais physiquement, chauve, gros, enfin j'avais très très peur d'avoir 38 ans. Là, j'en ai 20. Here, today, when I was born in 1962, against 6 p.m. Wednesday, day of the day, correct one. And when I project myself 2000, I saw me as a fat without hair, and today I am 58. 20 years more, and I have
This book. It's incredible. That's trial. It's trial because when you do trial motorcycle, you have to project yourself in the section and you have to always imagine what can happen to climb and rocks and. Ça, c'est des bombes qui passent derrière. Ignore the fact. Pull up tax. But now we have to pay it back. 2500 milliards de dettes publiques. 2450 € la seconde, ça fait, j'ai fait le calcul. Vous retrouvez sur http://oxotier.com. Donc là, il faut se préparer au bank crack, à être autonome, puisque ça va péter, mais grave. Donc, je vous invite, ceux qui veulent m'aider, la région ou ailleurs, réquisitionner les bunkers pour mettre dedans des groupes électrogènes, du carburant, pour être autonome en électricité. Et puis, voilà. De toute façon, toutes les solutions, ils tiennent choix les uns. Là, bon, on a choix les uns. Il suffit de trouver quelqu'un qui est incorruptible. Qui est vraiment pour l'intérêt commun. L'intérêt commun, comme dit Étienne Chouard, c'est. Il ne fait pas confiance, comme il dit dans une de ses vidéos, où il explique que toutes les banques sont en faillite frauduleuse. L'intérêt commun, c'est. Il ne fait pas confiance à. Comment s'appelle la banque Goldman Sachs pour l'intérêt commun. J'adore le clip YouTube des bombes, je mettrai en dessous de cette vidéo. Là, c'est les vrais artistes, ceux qui ont fait ça. Alors, les experts, qu'est-ce que vous attendez? Laurent Carilla, tout le monde, vous rappelez? Faites-moi un petit mail sur une de mes adresses. Pour les... Oh là là, j'en ai. Ah, il y en a une qui est pas mal, elle est artistique. C'est no-reply avec un y@googleiswatchingyou.com because I am a bot. I am Philip Stock, a bot. Webmaster from googleiswatchingyou.com and off, but where is the bot? Because when you are doing anything you do, if you are doing it fast, you have the risk. Make an accident. Voilà, samedi 5 décembre 2020, 5 minutes 22h. Et demain, ça va être dimanche. Ah, tous ces dimanches passés sur les terrains de trial, c'est ce qui m'a permis de survivre. Je regardais quand ça avait ces puissants psychotropes qui bousillaient ma vie, enfin une partie de mon cerveau, non, c'est rien par rapport à, je veux dire, je sais plus, Nelson Mandela, lui, il a fait je sais pas combien d'années de trous avant d'être prix Nobel de la paix. Donc il a dû faire preuve de beaucoup plus de patience que moi, mais bon, il n'était pas dans ses... comme j'avais dit à mon avocate à l'époque, c'était Saïda Boujdi qui m'avait zappé, j'ai pu approcher ce que ressentaient les suppliciés de la goutte.
puisque quand une goutte vous tombe sur la tête toutes les deux secondes, vous n'arrivez pas à dormir. Quand on ne dort pas pendant un certain temps, comme disent les inconnus, sur le coup, après une longue agonie, c'est pas drôle. Aïe.